chez Max. Déjà, il est fin, il n'est pas gros. Il parle, il a une voix douce, il parle bien, il est rassurant. Et puis les vieux, ils aiment bien Macron. Ce Macron, il va dans les HLM, il envoie des gens dans les HLM pour voir ce dont ils ont besoin. Parce qu'il ne le sait pas, Macron. Bah non, il ne sait pas, lui. Hein, il n'est pas lui. C'est pas de sa faute. C'est parce que quand il bossait à la banque Lazare et Rothschild, il n'allait pas dans les HLM. Alors maintenant, il se dit, comme je veux être président, il va envoyer des gens dans les HLM. Par exemple, voilà, moi j'arrive. Bonjour, Maria, je m'appelle Vincent, je suis avec Laurent. Nous marchons avec Macron. Nous aimerions savoir quels sont vos besoins. Donc vous évitez votre salaire minable, votre logement pourri, votre bagnole dégueulasse, que vous partez jamais en vacances, que vous ne faites pas soigner, et vous n'avez pas de quoi soigner vos dents et vos gosses. Ça, on oublie, mais on aimerait connaître vos problèmes, en dehors de ça. Voilà, c'est quoi vos problèmes? De toute façon, s'ils ont des problèmes, c'est de leur faute. Voilà. Ils ont qu'à pas être smicard ou ouvrier. Non, non. Hein? Je te dis, tu vas finir avec nous au Palais des Congrès, on va rejoindre Macron. Je te dis, ça sera très bien. Vive Macron. Voilà. Ah bah oui, si je me branche pas, forcément. Alors ça en est où la projection là? On est en bonne voie. C'était un peu laborieux, mais on est en bonne voie. Après il va falloir faire les tests pour s'assurer que ça marche bien. Bah oui. C'est comme ça qu'on tient, hein, je sais pas qui. Et je pense qu'on va être bien d'ici l'heure prévue. Ni plus ni moins. Bon, on a du son. Écoute, ça a l'air. C'est génial. Voilà. Maintenant, on va essayer d'avoir de l'image. Ok, vas-y. Puis, faut des fonds. Il y en a marre. Vive la lutte! Attends, t'as pas le son. Vive la lutte! Moi, je fais tout. On lâchera rien! On est un peu sadomaso, hein, c'est vrai. Il y a raison, c'est ce qu'on se dit, nous. Ok, non, mais je vais le faire, je vais le faire. Attends, on appelle bien ça le marché. Voilà, Michel. Ça fait un sacré moment que je vois pas PS déjà. Vous voyez quoi? Comment? Vous voyez quoi? Je vous trouve plus jamais, non plus PS, hein, plus jamais, c'est non, plus PS. Mais moi ça fait longtemps que je vote pas PS, hein. Ça fait très 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 longtemps. Tiens. Ok, génial. Rien que le titre déjà, ça va vous mettre la puce à l'oreille. C'est un hommage. Je suppose. C'est un hommage à Bernard Arnault, vous inquiétez pas. Tout le monde est prêt, on vous lance le film? Ouais. Je serai comme un fils d'ouvrier, un employé, un bassinaire. C'est une chose à pas oublier, oui, mais quand nos cœurs changeront de chaumière, que les secrétaires changeront de genoux, les stopapis changeront de derrière, qui c'est qui changera de bijoux. Quand les robes changeront de carte grise, quand Maxime changera de client, quand les smokings changeront de valise. Alors la vie, c'est simplement. Mais si on rencontrait, qu'est-ce qu'on lui dirait à Bernard Arnault? Je voudrais simplement le prendre par la main, le dire, n'aie pas peur Bernard. Ensemble, on t'appelle dans ton esprit, je l'amènerai, voire j'irai lui à la sortie du boulot, manger une fricadelle frite à la pépée chez Jojo. Et dans ma vie à Amiens, au carnaval de la ville. Je m'appelle Perrine Poupin, je viens de finir un doctorat en sociologie sur des mobilisations protestataires en Russie et je participe à Nuit Debout depuis le début. En participant en fait, à Nuit Debout, on s'est rendu compte avec des amis qui enquêtions, que ce soit des militants ou des chercheurs, qu'on avait besoin d'enquêter nous-mêmes sur ce mouvement pour pouvoir continuer sous différentes formes. Donc je me suis dit aussi que ce serait intéressant d'aller voir d'autres actions que Nuit Debout en lui-même sur République et voir ce qui s'y passe, quoi, ce qui s'y joue. J'ai parlé à 2-3 occupants qui m'ont un peu parlé de la vie du site et aussi sur la projection en fait, du film Merci Patron. Et qui a, enfin, pour les personnes à qui j'ai demandé, c'était la première fois qu'ils voyaient ce film. Ils trouvaient ça intéressant et l'idée de projeter sur une occupation et le film en lui-même.